Coucou, moi c'est Naëlie. J'ai 10 ans et j'ai décidé de sortir mes parents. Direction Sion-les-Mines, le joli quartier de la Hunaudière. Son étang, son chemin de randonnée, ses maisons en pierre, c'est un ancien village de forgerons. Et il reste encore aujourd'hui un atelier de fonderie où des passionnés vous expliquent et vous montrent comment on a travaillé et vécu ici pendant près de 300 ans. La forge installée à Hunaudière, on n'a pas de date précise, mais sans doute à la milieu du 16e, début du 17e. Il y a à peu près 50 personnes qui vont travailler sur le site ici. Mais pour faire vivre, pour faire travailler ces 50 personnes, il faut à peu près 450 personnes. En gros, c'est 500 personnes qui vont travailler pour les forges à Hunaudière. Parce qu'il va falloir du bois, il va falloir des transports, transporter le minerai, transporter le charbon de bois, transporter les produits finis. Alors, il y avait des bâtiments, il y avait un haut fourneau avec la halle au fourneau, et un atelier de moulerie. Le deuxième bâtiment, c'est l'atelier d'affinage, dans lequel on retrouvait à l'époque trois cheminées d'affinage, deux cheminées de forge, avec deux marteaux hydrauliques. Et puis le troisième atelier, c'est l'atelier de fonderie, où là, on va transformer les barres de fer produites dans l'atelier d'affinage et de forge. On va les transformer en barres de fer aplaties, on va faire des aplaties, et des baguettes de fer qu'on va vendre. Et juste à côté, il y avait un atelier de clouterie. La particularité, c'était que les gens qui travaillaient à la forge, comme ils ne travaillent que 7 mois par an, et il y avait des périodes où les gens ne travaillaient pas à la forge, et donc on avait souvent des forgerons qui étaient paysans. Il y avait systématiquement du travail d'enfants, hein, puisque les enfants. Mais par contre, il y a une réglementation spéciale pour les enfants, puisque les enfants de moins de 12 ans n'avaient pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour. Et il y avait des enfants de 8 ans, ils étaient forgerons. Donc dès 8 ans, ils travaillaient déjà à la forge. Quand on regarde les statistiques de la Révolution, les forges de la Hunaudière sont, avec les forges de Moidon, les principaux sites industriels de Loire-Atlantique. Pour cette technique au sable, il faut absolument un modèle. Donc on va commencer par faire un modèle. Et quand une entreprise demande à une fonderie de Châteaubriand de faire une pièce, et bien ils vont d'abord envoyer un plan, et le plan va être transformé en modèle, une pièce en 3D, pour pouvoir prendre son empreinte. Et son empreinte, on va la remplir de métal liquide. Donc ce modèle-ci, c'est une planche en bois avec des lettres, donc ça sera une plaque de rue. Donc en première étape, donc on remplit le châssis. Le premier châssis avec du sable, c'est du sable naturel. On l'a actuellement, nous, orange du moins, parce qu'il n'a jamais servi. Il est tout neuf. Une fois qu'il a pris le feu, comme on dit, il noircit tout simplement. Donc on tasse avec nos fouloirs, les pilons, on finit par le pilon, on tasse. Et donc après, pour lisser le moule, on racle le sable en surplus pour qu'on ait un état de surface très lisse. Donc après, la deuxième étape, c'est de retourner le moule avec le modèle dedans. On va remettre des cônes de centrage dans le moule, dans le premier châssis, et quand on va refermer le moule, on sera bien centré. On retamise dessus une première couche de sable neuf. Donc on remplit le châssis en faisant plusieurs couches de sable. On ne met pas tout le sable en une seule fois. Donc là, l'empreinte du modèle est faite. Maintenant, je vais tracer les alimentations pour faire arriver le métal dans la pièce. En fin de compte. Donc là, avec un tube. Donc après, faire le chenal. Donc le métal, lui, va descendre par ici. Le chenal, là, en fin de compte, va alimenter. Après, à partir du chenal, on va faire nos attaques. Nos attaques de coulée. Après, le métal va arriver dans ma pièce comme ça, par-dessus. Donc là, je vais remplir une petite boîte de conserve qui va servir d'entonnoir. Donc voilà, le cône est fait. Alors, vous souhaitez découvrir les forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines ? Contactez l'Office de tourisme de Châteaubriand-d'Herval. Bonne visite !